compatriotes, chers amis de la région des Grands Lacs, bonjour et bienvenue sur Jumbo News TV. Voici les nouvelles de la semaine dernière. À l'occasion du 17e anniversaire du génocide au Rwanda, une conférence sera organisée le samedi 16 avril par Mpore Mémoire et Justice, une initiative de Jumbo ASBL. Le colloque aura pour thématique le Rwanda, mémoire et société. Des questions telles que la mémoire en tant qu'arme politique, le rôle des médias dans la mémoire, la possibilité d'une réconciliation sans justice et la mémoire traumatique seront étudiées. La conférence sera suivie d'une grande soirée de mémoire et de recueillement en mémoire de toutes les victimes de génocide et autres crimes commis dans la région des Grands Lacs depuis 1990. Une centaine de Rwandais et quelques étrangers se sont réunis ce mercredi 6 avril 2011 à Bruxelles afin de commémorer toutes les victimes du génocide rwandais à quelques pas de la stèle dédiée à la mémoire de ces derniers. Ces commémorants répondaient à l'appel conjoint du Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda, coordonné par Joseph Matata, ainsi qu'à celui de la société civile rwandaise représentée par Albert Rutyerantare. Parmi les personnalités présentes, la présence de l'ancien numéro 2 de la Minoire, le colonel Luc Marchal, a été fortement remarquée. Durant près de 2 heures, des prières, des chants religieux ainsi que 2 discours ont accompagné ce moment de souvenir des victimes de l'horreur qui a endeuillé l'ensemble de la population rwandaise. Le lendemain du 6 avril, c'était au tour d'Ibuka d'organiser une marche du souvenir et une soirée de la mémoire à l'occasion de la 17e commémoration du génocide des Tutsis. Une jeune fille a déclaré lors de son discours devant le palais de la justice que le génocide continue et qu'à travers les commémorations du 6 avril, c'est le Hutu Power qui continue à attiser le spectre du génocide. Elle a également qualifié les commémorants du 6 avril de génocidaires. Un Belge présent sur place a trouvé que ce discours haineux allait à l'encontre de la réconciliation. Il est à noter qu'au début de la marche du souvenir, le service de sécurité d'Ibuka, composé d'anciens militaires et d'étudiants de l'école royale militaire, a interpellé 3 membres de Jumbo ASBL qui étaient venus commémorer. Ils ont été priés d'évacuer les lieux sans aucune explication. Une cérémonie d'hommage aux soldats belges tombés depuis 1945 au service de la paix a été organisée ce jeudi 7 avril à Bruxelles sur la tombe du soldat inconnu par le ministère de la Défense. En 1998, la journée du 7 avril avait été désignée comme journée des vétérans par le gouvernement belge qui voulait par ce geste commémorer la mort des 10 casques bleus belges assassinés au Rwanda. Le colonel Vagosola, qui comparaissait en appel au TPIR, a pour la première fois parlé de génocide rwandais. En octobre 2005, ce dernier avait contesté le terme de génocide et préféré parler de massacre excessif. Le colonel Vagosola, considéré comme le cerveau du génocide rwandais, avait été condamné à la prison à vie pour crime de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre en décembre 2008. Un an plus tard, le 18 décembre 2009, le même tribunal l'a quitté pour l'accusation de chef d'entente en vue de commettre un génocide. Cet acquittement avait fait penser à certains, dont Bernard Lugan, que si le cerveau du génocide est innocent de l'organisation du génocide, c'est que ce génocide n'a pas été prémédité. Le mardi 5 avril a débuté le procès du professeur Runyinya Barabwiriza qui fut arrêté au Rwanda en septembre 1994 mais qui jusqu'à ce jour n'a pas encore été jugé. Le communiqué transmis à Jumbo News par sa fille Rachel Kame Runyinya nous indique que lorsqu'il fut convoqué pour la toute première fois devant le tribunal de Gacaca de Butare, 14 ans après son arrestation, le verdict rendu concluait qu'aucun crime ne lui était reproché. Runyinya n'a cependant pas encore été libéré. Lors d'une deuxième convocation au tribunal de Gacaca de Kigali, la Cour s'est déclarée incompétente et a transféré son cas devant un tribunal ordinaire. Fin 2010, le tribunal Gacaca a encore jugé qu'il n'y avait pas d'éléments contre lui. C'était tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de la région des Grands Lacs sur notre site internet www.jumbonews.net. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.